Bienvenue pour ce nouveau sport. Aujourd'hui, fait grand plaisir avec vous. Nous commençons avec une nouvelle de la 13e Jeux d'Afrique. Aujourd'hui, l'équipe volleyball femme CCL a fini d'éliminer de sa compétition. Et puis l'état passé, CCL a joué son dernier match groupe contre Nigeria. Et ils ont perdu le 7-3-1. Premier set, Nigeria a remporté 25-18. Après, CCL a réussi à égaliser et 7 partout. Les autres remportent deuxième set, 25-22. Mais Nigeria, y a pris, répond à l'avance. Les autres remportent troisième set, 28-26. Ils remportent quatrième set, le score 25-10. Donc, on va faire un bon match. Un petit peu bargain, après aussi on a vu le studio bon jouer. Je suis un peu et au niveau compétition l'Afrique. Donc on va vraiment faire un jouer. Nous sommes dans notre maximum, même si on a 2, 3, 4 bons joueurs. Seulement, il demande vraiment une bonne équipe là au vin de l'Afrique. Donc on est vraiment satisfait. Dans mon côté, il y a bon joueur, il me donnait. Il montrait qu'il est aussi dans la bonne. Next time, on va nous venir. Je me sens bien, bien préparé. Et ce matin, sur un petit peu la compétition lui-même, c'est celle sans une victoire, un petit peu. Qui va nous dire là? Well, moi, pas cette tradition là. Moi, quand même, il y a un joueur ici. Par exemple, il arrive à l'invente pour cette petite session. Pour lui venir la police 7 à haute compétition. Et Camilla aussi, pour lui avoir nous pas capable d'écrire les liens dans le bloc. Pour nous, il est bon, parce que c'est ce nous donne. Et nous gagnons beaucoup de bonnes paroles avec Benjamin aussi, qui c'est celle qui est dans le joueur volleyball. Et même nous demandons, nous avons aidé à trois joueurs dans l'équipe, pas jouer dans le club, dans notre pays. Donc, il montre que nous avons à la force. Alors, nous continuons le travail. Nous souhaitons nous continuer à revenir ensemble pour nous travailler dans ce sport. À cause du sport, si nous sommes ensemble, nous prenons le travail. Deuxièmement, Mme Tébézine, à présent, qui travaille là avec l'équipe là? Compétition infinie là, à présent, what next là? Ouais, nous ne voulons pas, moi, vraiment fatigué. Il n'est pas facile, moi aussi, mon vieux break. D'après mon compagnon, un petit mini league, moi, c'est à ce qu'il dit, un dernier match où ils jouent. Après ça, mon vieux, un peu break, un des mois, pas à moi. Avant de nous répondre, mais seulement, moi, je suis content de voir les volets, je continue à ce seul. Et pareil, nous disons, nous disons, appliquer un peu aussi la beach volley. Possiblement nous avons fait bien, nous avons passé tout, nous avons fait une médaille. Mais après ça, après le repos, définitivement, mon bac le corps pour travailler. Mon corps, je dis, là, il va là-bas, tout le grand compétition. Mais seulement, c'est ce moment-là pour travailler maximum. Et mon ouvert, c'est une dame à gâteau. C'est avec mon zen. Alors, vous pouvez m'en donner partout. All right, merci. Merci. Justement, dernier sens pour CCL gagne une médaille dans la boxe. Il à présent repose le Dashiell Fochette. Ça, il y a après qu'il y ait Joshua Cousin qui perdit son combat quart final contre l'Éthiopien Neka Temesgen. Si Joshua gagne son combat, ça peut assurer au moins une médaille bronze. Mais dommage, son opponent est techniquement plus beau qu'il, qui fait qu'il perdit son combat catégorie 75 kg, le point 5-0. L'expectation est folle Joshua pour donner Cécile sa première médaille de sa souhait, surtout après son performance 8e finale, quand Haïti élimine son opponent burundais par knockout et causé jusqu'à aujourd'hui, il y a encore qui ça y plus au knockout de sa tournoi jusqu'à présent. Dans son combat quart final hier devant l'Haïti un Éthiopien, comparé avec son premier combat hier, Joshua est plus réservé. Quand la Haïti espère son opponent emmène la guerre contre lui et laisse sa Éthiopien dicter direction qui sa combat pour aller. Sa qualité situation est dans l'avantage son opponent et après premier round, tous les 5 ziz est en faveur sa Éthiopien. Deuxième round, Cousin s'est sorti en bas pression son opponent, mais sa Éthiopien finit comprendre son qualité joué et rend son la vie difficile. Après le deuxième round, décision Banziz est encore inanime de faveur sa Éthiopien. Dans le troisième round, c'est encore une répétition l'idée premier round, quelque chose pas censé, qui fait Joshua pour perdre sa combat car final au point 5-0 et rate un médaille bronze. Tout de même, il y a encore un an l'espoir pour cesser de remporter un médaille dans la boxe, ça à travers Dashiell Fochette qui prend une action vers 10h du soir aujourd'hui dans la catégorie 80 kg contre un Alzérien. Ça pour son premier combat de sa compétition.
Zespoura Pelou, qui c'est celle qui peut participer avec 7 boxeurs et 6 infini gagnants éliminés. Nous retournons à la nouvelle locale à présent avec Stade Dignité qui en ce moment peut mettre un nouveau surface pour Chouac Athlétique. Depuis le 17 samois, il n'y a pas aucun match football qui peut jouer là-bas. Directeur pour compétition contre Fédération Football CCL, Clave Deloyer, il donne nous un peu plus de détails côté bon match pour jouer pour la reste de sa saison. Saison officielle lui-même, il peut terminer en mai. Premièrement, nous nous courons pour dire que tu ça travail que tu pourras faire au Stade Dignité. Et nous, vu que nous avons 30 l'équipe dans 3 différentes divisions, et ça, processus nous déjà fait, li, nous faisons ça pour c'est dans le passé avec l'État instructeur, si tu peux gagner sans eux, quand ben l'équipe, tu besoin de jouer les autres matchs, les autres terrains. Nous la difficulté que nous gagnons, c'est que pour ce voyage, nous avons 3 différentes divisions. Et nous avons 10 équipes dans chaque division. L'année passée, nous avons 2 divisions, Premier League et Championship. Et c'est plus facile pour nous faire. Mais là, ce que nous avons besoin de faire, c'est que nous faisons tout bon match Premier League pour jouer au Stade Populaire. Et tout match SFF Cup pour jouer au Stade Populaire. Bon match championship, naturellement, nous avons une préférence pour la Ligue 1 si je peux jouer à Stotterf ou soit Stade Populaire. Donc, ça qui m'en connaît, il y en a 5 équipes. Une envie de Stade Populaire, à cause de l'opportunité pour jouer devant ticket, et 5 une envie de jouer à Stotterf. Et pour ça, nous faisons une préférence, bon match qui est un peu schedule pour jouer. Ligue 1, Stade Populaire, je ne peux pas jouer à Stotterf, le Team Championship, pour jouer Stade Populaire. Tout Premier League pour jouer Stade Populaire. Saint-Louis-Côte d'Or, Saint-Louis-Saint-Michel, tout bonne Premier League pour jouer Stade Populaire. Tout match SFF Cup pour jouer Stade Populaire. Nous pas fait sans zélo là. C'est ce Championship qui nous donne ce soir. Et j'ai pu jouer tous les deux stades populaires avec AstroTurf. Et puis le côté AstroTurf lui-même, est-ce qu'il y a un match qui peut jouer AstroTurf pendant ses supporters et aussi le côté sécurité, est-ce qu'il y a pendant sécurité lui-même? Bon, il n'y a pas de supporters à cause de nos désagréments, des difficultés, de nos expériences. Ça, dans le passé, nous faisons un minimum 30 personnes qui jouent pour. Capable d'entrer dans le gradin à Stotterf. Et la raison qui nous peut faire ça, c'est la raison de sécurité. Ben, les autres du monde, qui regardent le football en dehors à Stotterf, mais seulement supporter, pas capable d'entrer en dedans. Juste les bons officiers avec les bons joueurs qui peuvent rentrer dans le gradin. Et puis, jusqu'à quand il y a un match pour gagner le vélo à Stotterf et que le stade populaire lui-même? Stade Populaire, tout bon match pour commencer à 6h, pareil l'habitude. Stade à Stotterf, dans samedi, seulement dans samedi, bon match pour commencer à 6h30. Dans la semaine, il peut commencer à 6h même. Et tout bon match qui pour le pralin, ça bon match qui pour pareil. Nous payons possibilité. Quand vu que nous avons certaines difficultés avec un match qui peut jouer samedi, par exemple, par Revengers, nous avons des matchs de samedi, nous avons des possibilités qu'il y ait un match que nous pouvons faire, les jouer un jour ou lundi, mais sûrement pas beaucoup. Nous pouvons aussi en avoir un match qui est déjà cancellé à cause de la difficulté. Je crois avec un bon match postpone. Il y en a même un bon match qui a commencé après déjà arrêté. Pareil, ce match en se réunion avec Northern Dynamo. Nous avons tout ce bon match pour nous schedule. Seulement, ce qui nous besoin de faire, c'est que by the 18 of May, nous final SFF Cup pour commencer. Et s'il y a un bon match en play-off qui peut jouer, ce bon match, il y a capable de jouer nos saisons.
à cause nous pas peut imaginer que nous peut nous pouvons tourner stade l'unité sa saison nous pour avec travail qui nous peut imaginer après si nous gagne difficulté avec les temps nous peut envisager pour nous finir nos bonne saison à stade populaire avec à Sauteuf et saison 2024-25 qui nous peut imaginer pour nous tourner stade l'unité. Justement, nous restons toujours avec une nouvelle concernant le football dans le championship. Résultat match qui nous est aujourd'hui, il y a une Real Maldives qui fait victoire 5 goals le 0 contre Rovers. Et justement, action football pour continuer demain avec un match championship contre la Bosco FC pour jouer contre Tigers le stade populaire à partir 6h du soir. Et dans League One, Rangers pour jouer contre Mobixton United 6h du soir le AstroTurf et de Beach Soccer demain 5h30 pendant un match League contre la One Stone pour rencontrer Equator contre Beach Soccer Arena Roche-Caïman. L'association karting CCL démarre son saison dimanche passé avec bonne la course pour bonne driver intermediate et bonne masters. Bonne driver qui fait la course le plus grand track et de toutes les catégories, bonne driver qui fait 10 les tours dans la course finale. Bonne driver qui descend le track pour votre première la course qui démarre saison karting. En tout, il y a 10 des catégories qui peuvent faire la course. Ça, c'est catégorie intermédiaire et bon master. Bon driver, dans toutes les catégories, il y a pour faire 10 tours de track des fois. Pour la course, il y a la course plus finale. Ça, c'est la course qui peut déterminer la position bon driver le track dans la course finale. Dans la catégorie intermédiaire et mieux à la bourse, dans la carte numéro 3. Tu finis premier avec un temps 7 minutes 31.4 secondes, suivi par Dean Maillet. Sa résultat, tu veux dire que pour la course finale, Mitchell Labrosse, tu commences à la course de première position. Mitchell, tu commences la course bien, de son premier tour, mais une petite collision après son premier tour, tu empêches de terminer sur la course, côté éventuellement, Dean Maillet, tu allais pour terminer la course premier. Dans sa finale. Là, il a enregistré un retour plus vite et qu'elle est en 44.87 secondes. Miss Finati, ok, c'est ok, pareil, on fait le premier round. Mon petit peu lead, malgré mes trains d'appentine pour un mois. Mon deuxième round, je viens de vous faire mon mieux pour se passer, mais en effet, il y a un petit technical issue avec son cadre qui. Well, mon ende pour retourner back to mon pour mon lead. Well, news. I get this. L'autre c'est round, mais nous pour aller. Dans la catégorie ban masters, tu as un nouveau driver qui est dans une sa catégorie. Ça est Denison Mélanie. Mélanie pas nouveau de karting, mais ça a une saison qui peut compete dans la catégorie ban masters avec ban driver tel que Mark Delcy. Lisa René Cosgrove, Dave René et les autres encore. Dans sa catégorie, Paris Band Driver dans Intermediate et Saban Masters, tu as 10 tours track pour faire des fois, pariment. Premier 10 tours, tu peux déterminer les autres positions le track dans la course finale. Dave René, tu finis en tête sur la course pre-final, qui tu fais de finale et tu commences premier, suivi par Lisa René Cosgrove. Et Marc Bercy, lui, je commence la course dans la 6e position après qu'il a rencontré un problème technique avec son car. Finalement, Devrené, qui finit premier, qui a enregistré un retour plus vite avec un temps 34 secondes, suivi par Lisa René Cosgrove et Marc Bercy dans la 3e position. Paris Moté qui nous vraiment fait une préparation bien. À cause depuis ces autres fermes l'année passée, nous avons fait tout le monde connaît qui nous a des mois, 3 mois pour nous préparer pour sa première round. À cause tout à l'heure, l'année passée, nous venons là pour nous casser un problème et nous commençons notre première round. Mais nous nous préparons. On ne peut pas dire que nous sommes 100%,
C'est moi nous parler pour sa première round, quand je peux expliquer la compétition première round. Nous faisons ce qui nous parler pour sa première. Pour mon premier race, il veut dire que mon level of fitness est back to zero. Tout en premier round pour moi, il y a un struggle à cause, par exemple, de la motorsport, nous expérience G-Force, spécialement nous les coups. So, pour moi, premier race tout temps, il y a un challenge pour moi. Et par exemple, aujourd'hui, il est vraiment chaud. Moi, je pensais que je ne pouvais pas attendre pour avoir le flag, vraiment, pour passer le checkered flag. À cause, il y a un vrai struggle physiquement pour moi. Mais seulement, tout un deuxième race qui vraiment mon fitness est back to where it should be. So, it only gets better from here. Dans pétanque, c'est Joe Auguste Louise et Karaja Djougrou qui champions premier compétition doublette salonnais. Ça y a après qui zote ti domine dernier round fait dimanche passé. Ça désoué ti prêt pour finir sa compétition sans aucune défaite, mais zote perdit dans sixième round contre Ban Malgas. Tandis que champion pour Ban Femme et Joe Vinafani et Sheila Hafner qui ti fini compétition avec 4 victoires de 8 rounds. Sa neuf l'équipe Joe qui besoin batailler dimanche de sa dernière round compétition doublette contre Boulodrome la promenade. Compétition ouverte avec deux équipes madame et une équipe junior qui aussi participe de sa format round robin. Veut dire que Joe besoin de contre bonnes hommes aussi et pas pour le duo qui en a qui tire ici faire victoire. Le commencement, le côté compétition Banzom, grand favori, qui Auguste Louise et Kouadja Djougrou en blé. Après 5 rounds, sa désoué, pas encore bout de défaite, qui fait Zotin réussi 5 victoires consécutives. Mais le 6e, Zotin mal passé, Zotin perdit son premier match. À la fin 8 rounds, Djougrou et Louise ont fait total 7 victoires et avec différence 50 points, chassé pour Zotin finir champion sa compétition doublette. De deuxième position, c'est l'équipe Joseph Sinon, Fabien Chamtim et Gianni Checato qui ont obtenu 6 victoires au cours de la dernière round. Troisième, c'est Malgas, Tina, Onja et Kando qui ont fait 4 victoires consécutives des premiers 4 rounds et les autres qui réussissent à réaliser total 5 victoires dans 8 rounds sa compétition doublette. Pour Ben Madame, Becker, Tidio, Vinapani et Sheila Hafner, qui ont fini 5e en général parmi les hommes, et les autres ont fait 4 victoires de sa compétition. Et deuxième, Tidio, Sheila Chantim et Marianne Joubert, qui ont fini 7e au classement général, et les autres ont accumulé 2 victoires. Et bien, avec sa nouvelle, on arrive à la fin de Bill Desports aujourd'hui. Et un plaisir avec vous. Merci pour qu'ils suivent.